Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir continué la quête principale, tout cela. Donc après l'invasion de la citadelle, et on va tout de suite continuer donc en faisant d'abord alors les quêtes, ces deux quêtes-là, enquête sur la colonie Asari et les chercheurs transfuges de Cerberus. Et nous ferons, si nous avons encore le temps, la quête parler avec les Cariens. La quête qui se trouve donc à la citadelle, qui est de visiter l'appartement d'Anderson, qui est en fait un petit DLC. Hors du jeu, je la ferai hors vidéo car ce n'est pas très très intéressant. Donc on va d'abord aller par ici. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais en train de coder toutes les vidéos d'avant de Mass Effect, ça m'a pris un petit peu de temps. Plusieurs jours. On devrait pouvoir le finir d'ici quelques temps. On est à plus de la moitié du jeu, ça c'est sûr et certain. Alors, donc, en équipe, on prend. Ashley et Liara. On garde cette armure. Ça c'est les armes de Ashley. Fusil Chrysae. Fusil Sabre. Alors ici. Oh. Bizarre, je n'ai aucune arme. Alors la veuve noire. Déjà bien équipée. La sabre. Hurricane, j'ai déjà eu. Ça va aller reprendre celle-ci. Alors, on va prendre la clé mort, qu'on va modifier un petit peu. Petit exécuteur, voilà. Vous avez des infos sur la mission, Liara? Oui, et je comprends pourquoi le haut commandement restait discret. Nous allons dans un monastère Arda Tiakshi. Arda Tiakshi, comme Morint? Morint a choisi d'être une tueuse. Ces Arda Tiakshi se sont isolés pour éviter ça. Mais elles ne sont pas inoffensives. Leur soif peut être puissante. Le haut commandement a donc envoyé des commandos suite au signal de détresse du monastère. Les Asari nous envoient au feu? On a un plan? Au moindre signe de rébellion des Arda Tiakshi, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer? Ou bien détruire? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Morint était dangereuse, mais les Arda Tiakshi sont réellement une menace? Morint avait trouvé son rythme. Une Arda Tiakshi tueuse laisse derrière elle des montagnes de cadavres. C'est pour ça qu'elles sont isolées. Et qu'elles sont une honte pour toutes les Asari. Le haut commandement n'a donc de cesse de vouloir détruire ce lieu. Il ne laissera pas une seule Arda Tiakshi s'évader. Ne préjugez de rien. Le signal. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit. D'accord. Une fois le haut commandement. Ok, alors je reviens tout de suite, petite ellipse. Me revoici, désolé pour cette petite ellipse. On peut reprendre.
Voilà. Donc voyons voir ce que nous indiquent ces quêtes. J'ai un bon nombre de quêtes, je ne sais pas à quoi correspondent lesquelles. Je sais juste laquelle correspond à la principale. Mais c'est tout. L'ascenseur est saboté. Pour empêcher d'entrer ou de sortir? Ah, excusez-moi, je crois qu'il y a une échelle là. C'est ça, ouais. Je ne l'avais point vu au premier regard. Film d'horreur, tout ça. Ça a l'air proche. Un peu trop proche. Ça tue Jean peut-être. C'était quoi? Ouvrez l'œil. C'était le capitaine des guerrières d'élite. Une carte qui indique la position d'une bombe. Alors les commandos avaient commencé la... Arda Tiakchi ou pas? Évacue. S'il n'y a pas de survivants, on va où? On va chercher avant. Alors, Droche est comme un malade. Vous pouvez lire en mettant sur pause, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, donnez-moi sur l'avis sur un petit changement sur la chaîne. Est-ce que vous préférez avoir des vidéos pour le moment en 1080 30 fps ou en 720 60 fps? Dites-le-moi. J'ai entendu un bruit. C'était moi, pardon. Dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Signature électrique de Galae. D'accord. Stylé comme ambiance quand même, hein. Et pourtant pas dans un jeu d'horreur, mais elle y est. Il n'y a personne, hein. Assez bizarre, devrais-je dire. Excellent. Je vous ai à peine entendu. Samara. Cela faisait longtemps, Shepard. C'était un réel... Vous avez dû venir par vous-même, probatrice. En effet. Deux de mes... Seule notre volonté nous fera vaincre, Shepard. Vous m'avez rencontré en traquant votre autre fille. Faller et Rila ont obéi aux règles du monastère dès leur arrivée. Vous êtes ici pour les sceaux? J'en suis responsable. Je ne peux pas les appeler. Alors allons-y. Peut-être que... Je pense qu'elles auront beaucoup à dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Samara. Je m'appelle Tashia Poré. Je suis blessée. Grièvement. Tenez ça à ma compagne, Veshra. Je lui ai dit d'aller à la citadelle. Et dites à Veshra que je l'aime. Dites-lui... Pardon pour ce combat. Je me demande pourquoi c'est à nous de faire le sale boulot des Asari. On a besoin d'elle avec nous. Alors le haut commandement Asari nous devra une fière chandelle. On est d'accord. Le grand Olé là-bas. C'est quoi ce truc? Une tuerie. En fait, les furies sont des Asari, si je comprends bien la motionneur. La boule serait donc des Krogan. Je serais dire. On n'a pas vraiment eu de renseignements à ce propos, du coup. Pas vraiment de véritable information. C'était une personne avant. Une Asari. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que ces moissonneurs ont fait?
c'était bien une Asari. Vu leur pouvoir biotique, ça ne me choque pas. Mère, tu es venue. Aussitôt que possible. Shepard, voici Faller, ma dernière. Elle et sa sœur Rilla sont des Ardatiakshi. Elles ont été... Mère, ils ont pris Rilla. Quoi? J'ai vu plusieurs de ces choses l'emmener dans le grand hall. J'ai essayé de l'atteindre. Qu'est-ce que les moissonneurs foutent ici? Ils nous moissonnent. Ils font de nous... ces choses... des monstres. Allez. On doit trouver Rilla rapidement. Là, on essaie, mais cet endroit doit être... Désolé. On se retrouve là-bas. S'il vous plaît, faites vite. Ok, c'est... pas par là... Mais on sait jamais, peut-être des objets... Ah. Il faudrait une barre à mine pour enfoncer ces portes. Cet endroit était magnifique avant l'arrivée des moissonneurs. Oh là là, des Asari transformés en furie. Hein. Quel dommage. C'est un ennemi, c'est juste Ashley. Ok, on va donc descendre pour aller hall, grand hall, mais on ira après. Je fais un peu le tour déjà. Ok, continuons la quête. Hein. Une furie. Allez, déverrouille-moi ça. Un autre commando a été submergé. Ça devait être un vrai bordel, où elles ont paniqué. Les commandos Asari ont des années d'expérience. Elles ne paniquent pas. Les années d'expérience importent peu. On ne sait jamais ce qui va briser une unité. N'est-ce pas Ashley? Lol, non, j'ai rien dit. Ou donc le DLC Citadel, je le fais, je le ferai de mon côté. Hein. Sûrement lors de la prochaine vidéo, je ne sais pas. Enfin, avant la prochaine vidéo, je veux dire. Et Faller. Rilla, Rilla, réveille-toi. Faller, Rilla ne peut plus t'entendre. Regarde, elle vit encore. Je sais, mais je pense qu'elle est mal en point. Rilla n'est pas un monstre. C'est impossible. Il suffit qu'on la réveille. Si seulement. Rilla?
Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'ils ont commencé à en faire une des créatures des moissonneurs. Désolée. On peut faire sauter la bombe? Il nous faut un détonateur. Les commandos devaient en avoir un. Il faut le trouver. Plus tard. On prend la veuve noire. Sabre. C'est le dernier. Pour l'instant, retournons à la bombe. Pour moi, il en vient des centaines. Va-t'en. Fuyez. Non, Rilla. Je t'aime. Rilla. Nous ne sommes pas vos esclaves. Rilla, nous n'avons même pas pu nous dire adieu. L'endoctrinement est implacable. La volonté de Rilla était puissante, comme son amour pour toi. On l'a abandonnée. Rilla a fait son choix. Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important. Pourquoi j'ai juré de sacrifier ma vie. C'est-à-dire ? Faller. Le code exige que les Ardatiakshi ne vivent pas en dehors d'un monastère qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous faites ? Désolé, Shepard. D'après le code des probatrices, il n'y a qu'une façon de sauver Faller. Mère, non ! Mes filles, vous étiez bien plus fortes. Laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Je respecte le code. En sacrifiant votre vie ? Je ne tuerai pas ma fille. Ce ne sera pas la peine. Faller ? Je reste ici. C'est ma maison. Même dans cet état. Sans un véritable monastère ? J'aurais pu partir à tout moment. Je respecte mon propre code. Une fois la guerre terminée, et si je le peux. Je comprendrais si vous vouliez aider Faller à se... Ok.
on a revu Samara, en même temps ça refait un peu toutes les personnes. Commandant, je me réjouis d'apprendre que le cas des Arda Tiakchi est résolu. Conseiller, c'est donc vous notre contact au sein du haut commandement Asari ? Je ne suis là que pour vous transmettre la reconnaissance du peuple Asari pour avoir accompli une mission aussi délicate. Les commandos que nous devions envoyer au monastère rejoindront bientôt l'amiral Aket. Bonne chance, commandant. Commandant, l'amiral Aket est disponible par vidéo. Commandant, vous voulez discuter de quelque chose ? C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Oh, ok, donc c'est juste pour discuter. Ok, pour ça, on continue, en retournant là-bas. Mon ancien sergent m'avait dit que Cerberus avait commencé comme force spéciale de l'Alliance. Les forces spéciales tournent toujours mal. S'il faut démentir une action, c'est que c'était un échec. Le projet Creuser... Commandant, le docteur Chakwas demande à vous parler à l'infirmerie. Elle se décide à soutenir l'effort de guerre, c'est une bonne chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mission Cerberus, là, ça doit être la N7 sûrement. Ensuite, on a tracé cette vidéo là, je ferai toutes les quêtes annexes hors vidéo pour les autres. Hein. Et dans la prochaine vidéo, donc nous ferons la mission principale. Hein. Mais avant de parler de la prochaine, faisons déjà la prochaine mission de cette vidéo. Celle-ci, je regarde s'il n'y a pas d'autres missions. Non. Allez, allons-y. Ok. Allons voir tout ça. C'est pas la bonne arme, on va prendre la veuve encore. Ah non, peut-être la raptor. Ok. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai demandé si vous préférez les vidéos en 720p 60 fps ou alors 1080p 30 fps. Comment dire ? Savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans ? Nous n'en savons pas bien long. Commandant, je capte les signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. Ils attaquent les chercheurs ? Et si je comprends bien, il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok, larguez-nous en bas et filez d'ici. Il me faut ces chercheurs vivants. On entre, couvrez-nous. Jacob. La Jacob du 2.
avec moi. Oui, chef. Pas étonnant que Cerberus ait quitté l'endroit. Ça pèle. Ok, on continue. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour s'attirer autant d'ennuis ? On va voir par là-bas, on ne sait jamais qu'il pourrait y avoir un objet. Pour une quête principale par exemple. Ou une quête pardon, secondaire, une quête de la citadelle peut-être, une collecte. Non, rien. Jacob. Shepard de l'Alliance. L'ennemi n'est plus pour l'instant. Ouvrez la porte. Jacob est là ? Tout va bien, Bryn. Ok, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jacob, hein ? Depuis le 2, quoi. Oh mon Dieu. Oh, je vais bien. Mais les autres y sont restés. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ces chiens d'attaque. Ils sont partis ? Oui, mais ils vont revenir. Vous vous sentez bien ? Ouais, ça passera tout seul. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois, c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Vous avez le don d'éviter les ennuis. Shepard, voici le docteur Bryn Cole. Elle dirige les lieux. Parlez. Les renseignements disent que vous êtes avec Cerberus. Des transfuges, en fait. Surtout des chercheurs. Des civils ? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. Pourquoi est-ce que l'homme trouble voudrait vous tuer ? Nos histoires diffèrent, mais la trame reste la même. Nous utilisions tous des infos venant de la base des récolteurs pour concevoir les composants d'un plus grand engin. Lorsque quelqu'un achevait son composant, il disparaissait. Pas de corps. Envolé. Progressivement, on s'est dit que nous ne faisions que signer nos arrêts de mort. L'homme trouble ne plaisante pas. Il détruit... Tous ses cerveaux doivent représenter une... Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert... Mais l'homme trouble... Il faut évacuer. Ok, il faut que les décès... Sans les canons, nos navettes seront... Ce doit être la connexion. Je vérifie. Jacob, faites donc... Ça ira. Enfin... Commandant, je dois m'occuper des autres. Jacob Taylor, ici. Alors ça... Votre collègue était courageux. Il n'aurait pas voulu vous voir craquer comme ça. C'est vrai. On va se tirer d'ici vivant. Promis. Commandant Shepard. En quelque sorte. Docteur Gavin Archer, j'imagine que nous nous sommes opposés chacun à notre manière à l'homme trouble. Qu'est-ce que vous faites là ? Mes recherches pour Cerberus ont fait beaucoup de tort. J'étais là, les mains tachées. L'homme trouble s'en fichait. J'en déduis que l'homme trouble ne vous a pas laissé. Pour quelqu'un. Soit vous faites le boulot, soit vous refusez et vous mourrez. Quel genre de travail ? Un projet appelé Suprématie.
Ça n'a pas l'air d'une cible. Oui. Mais comme... disons simplement que... Comment c'est arrivé? Le hasard, je ne vois rien d'autre. Les... Jusqu'au jour où mon frère... C'était un savant autiste. Un génie des mathématiques. En un rien de temps, il... Vous voulez dire qu'il pouvait parler? Au début, c'était assez vague. Mais il a subi une surcharge sensorielle. Même un savant tel que lui ne pouvait pas traiter... David était d'accord. L'homme trouble insistait pour avoir des résultats. Vous avez forcé votre... Croyez-moi, c'est un cauchemar qui me hante toutes les nuits. Il a tué des dizaines de laborantins. Et nous n'avons pas eu d'autre choix que de décharger les... C'est tout, docteur. Merci de nous avoir... Allez. Puissance faible, veuillez patienter. Réinitialisation terminée, accès autorisé. Que les gars de Stockholm fassent leur propre paquet. J'ai besoin de vous. Ne soyez pas idiots. Ils ne sont que deux. Ça ne prendra qu'une minute. Et que ces échantillons du projet Mia... J'ai déjà laissé tomber une caisse. On va y arriver. Dans quel état sont les canons? On y travaille. Combien y a-t-il de chercheurs? 43. Plus leurs assistants. Vous avez fui avec plus de 40. Quand on craint pour sa vie, on peut... Brynn, je ne peux pas détruire les composants de l'an... Désolé, docteur Bénard. C'est quoi? Y a des familles ici? Comme si on n'avait pas assez de... Alors ces réfugiés n'ont laissé personne? Oui. Il y a 17 enfants ici. Je leur ai promis un refuge. Je n'imaginais pas que l'homme... Le mal compte là-dessus. Sur ce que les... Ok. Cette évacuation devrait... J'espérais... Pas grand-chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Une navette de Cerberus y est posée... Jacob, vous êtes blessé. Pas question. Que vous ayez survécu à une mission suicide. Bien. Cerberus brouille certainement. Appelez-moi par radio pour avoir le code. D'accord. Ok. Docteur Cole. Bien sûr. Ouais, très intéressant à savoir ça. Datapad, datapad. Shepard, par ici. Ouais, après. Je t'avais bien dit qu'il fallait aller au sanctuaire. Écoute, pour l'instant... Qu'est-ce que ces gens seraient devenus si on n'était pas venus? Ces civils n'avaient aucune chance de s'en tirer vivants. Donc c'est pas par là. Ce n'est point par là. Enfin si, c'est par là justement, donc je voulais déjà aller voir là. Qu'est-ce qu'il peut bien nous vouloir? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Hé, hey, ça va? Vous permettez? Ah, c'est dingue. Pareil pour moi. Longue histoire. C'était une occasion unique d'aider des gens qui... Bon pied. Ces gens sont extra. Ils défendent leurs idéaux. J'aime ça. Je pense avoir... Je devrais me concentrer. Exact. Ok. Allez, on y va. Si Jacob dit qu'on s'en sortira, c'est que c'est vrai. Mais ma fille, ce n'est qu'un bébé. Ces voix, je les connais pratiquement tous. C'est fou quand même. Force de jouer à des jeux en VF, tu connais toutes les voix. Hein. On a l'avantage. Il faut trouver la tour du satellite. Musicopé, trop bien. Jacob, la parabole devrait être connectée. Affirmatif, et les canons sont toujours HS. Vous allez devoir les activer manuellement. Revenez à la façade du complexe. D'autres ennemis sur notre chemin. Ah.
coup dans l'épaule. Soldats sur l'arme montée. Il faut le virer avec cette arme. Bougez. Baissez-vous et à couvert. Il y a ici peut-être un objet. Il y a l'air de rien avoir. Hein. Faut mieux être sûr quand même. Hein. Allez, tard plus. Ces canons anti-aériens manuellement. Oh. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut monter. Ça facilite le choix. C'est musique, j'adore. Tellement de musique épique dans ce Mass Effect. Vivement le 21 pour qu'on ait la suite. Courant rétabli. Canon 1 réinitialisé. Circuit pas complet. L'autre canon est toujours désactivé. Allons-y. Bon, pour le moment, ça va. Hein. C'est bon, allez alimenter les canons. Entendu, je m'y mets. C'est bon. Courant rétabli, circuit restauré, canon opérationnel. Shepard, la DCA est activée. Bien reçu, sortons ces gens d'ici. Ok, les canons abattent déjà les appareils de Cerberus en vol. Où en sommes-nous? Ça avance, la première navette a déjà embarqué tous les enfants. Commandant, quand devrions-nous partir? Comment agir au mieux? Jacob, qu'en pensez-vous? Tout est prêt? Presque. Nous pourrions y aller, mais c'est notre seule chance. Exact. C'est un aller simple. Et nous ne voulons rien laisser derrière nous qui puisse servir à le... À vous de décider. À mon signal. Vous pouvez lancer l'évacuation. Ok. Faire un tour quand même de la zone. Quand même poser les questions de Bryn. Juste vite fait. D'un autre côté, on était vraiment persuadés.
pour voir si ça développe la moindre quelqu'un. Pardon. Je ne sais pas ce que nous aurions fait. Merci, docteur. Merci encore. Ok. Uh-huh. Rien d'autre, Shepard. Un ami. Elle m'a demandé. À bâtir une vie. Avec ce qu'on a. Mais... Vous connaissez... Oh, trompé de... Ah, là, là. Exact. Ok, ça c'est bon. J'ai l'impression de rien avoir oublié. Ça m'a l'air donc assez bien. Allons-y. Percez un trou dans le périmètre avec les canons, puis lancez la navette 1. Navette 1, partie. Dirigez-vous tous vers la baie d'amarrage et... Un chasseur kamikaze a détruit un canon. Les troupes de Cerberus sont... Sortez ces gens d'ici. Oula. Shepard, les navettes sont chargées. Rendez-vous sur la piste pour assurer leur décollage. Je vous retrouve là-bas. Au pas de course. Nettoyez d'abord la baie d'amarrage, qu'on puisse lever la porte, puis aller sur la plateforme d'atterrissage. Sur vos talons. Apprendre à viser. Jacob, ouvrez la porte principale. Je m'en occupe, Shepard. C'est parti. Ok, faisons sortir ces gens d'ici. Oh, je suis vraiment comme un pied, hein. Oh, c'est lamentable. Les navettes ennemies sur les flancs. Compris, je trouve une position. Détruisez ce générateur de bouclier. Jacob, répondez. Votre situation. Shepard, le complexe est envahi. Les troupes de Cerberus sont partout. Encore une navette de réfugiés, c'est ça? Affirmatif. On s'en charge. Il faut juste les retenir encore un peu. Ok. Navette 3 en route. Évacuation terminée. Merde! Un méca! Jacob, tenez bon! On dégage une zone d'atterrissage. Jacob, zone d'atterrissage prête. L'endroit grouille d'ennemis. Je vous amène la navette. Bien reçu. Lève-toi, patron, tonneau, les docteurs sont au sol. Descends de chez moi. Shepard!
un cheveu du désastre, hein, Shepard? Ravi de vous revoir en action. Ouais, ça fait du bien. Je craignais de ne pouvoir sauver personne, mais grâce à vous, presque tout le monde est sauf. Merci. Docteur Cole, j'ai une requête que vous ne pouvez pas refuser. J'ai besoin de vous contre les moissonneurs. Je suis à votre disposition, sans hésitation. Et je suis sûre que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr, mais j'aimerais rester avec ces gens. Vous ne voulez pas rejoindre l'équipage du Normandie ? Bien sûr que si, mais prendre soin de ces gens est important pour moi. C'est ce que je fais à présent. J'espère que vous comprenez. Protégez-les alors. L'Alliance a besoin de se creuser. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral Hackett pour votre affectation. Vous savez, commandant, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Merci. Shepard, quand ce bordel sera... Résolveur de problème, d'accord. Ici Hackett. Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien, je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Avoir réussi à sauver le Dr Cole de l'homme trouble est un joli coup. Je suis d'accord. Oups. C'est pas terminé. J'ai skippé le dialogue. Flûte. Ok. Alors, regardons ce qu'on a là. Ok. Donc, niveau quête, si je ne m'abuse, il ne reste donc que les quêtes. On met donc Omega et Citadelle. Aussi celle-là, mais ça c'est normal. Ça aussi c'est normal, ça c'est normal. Elle est où la priorité? Ah, elle est là la priorité, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc il reste que les principales quoi, enfin que les annexes que je compte faire hors vidéo et les principales. Et la principale, excusez-moi. Alors, quelque chose. Le chercheur de cette commandant, le docteur Chakwas demande à vous parler à l'infirmerie. D'abord l'Académie Grissom, puis ceci. Beau travail. J'ai pas le, c'est quoi ce bordel? Ok, et donc nous arrivons dans un plat. Vraie marine. Oui, bon, vous devez déteindre sur moi. Ok, donc nous allons arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Step, moi je suis Tipeen HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo. Oui, c'est toujours encore une fois.